Quelle belle musique sympa. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série consacrée à Toka World Touring Car. On avait fait le premier Toka, on avait fait le deuxième. On avait fait le Toka Race Driver. Alors fait complètement non évidemment, parce qu'il nous reste un championnat terminé sur le Toka Race Driver. Mais en ce qui concerne Toka World Touring Car, on n'avait rien commencé. Donc du coup, c'est l'occasion. On va s'y mettre et on va lancer du coup un mode carrière. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un mode carrière, un mode championnat. Donc on va faire une nouvelle partie. Je vais faire... Alors regardez, on a plusieurs championnats quand même. On a l'Asiatico-Pacifique, l'Européen, le Pan-Américain. Et pour le moment c'est ça. Continuer, je sais pas ce que c'est. Bon, on va commencer par le premier dans l'ordre alphabétique. On va commencer par le championnat asiatique. Allez, remettre notre nom. Bon, c'est ça, qui me sait très bien. Voilà. Et nous sommes partis pour un championnat donc Asie-Pacifique. Donc voilà, on a tout ça, voilà, en mode carrière. Donc on a un championnat nord-américain, SCC américain, britannique, allemand, méditerranéen, japonais et australien. Et ensuite après on passe à un international panaméricain, européen et asiatico-pacifique. Et enfin le World Touring Car. Et on a du coup 140 points nécessaires passés au niveau international. Et 0 points pour le niveau national. Alors, on a des offres. Donc, arrière, on a garage. Regardez le garage ce que V. V, une Peugeot 306 GT6, une AC Cobra et une Mitsubishi FTO. Impossible à prononcer si ça saute. Une Mitsubishi FTO. Je sais même pas à quoi ça sert de faire ça en fait. Si je fais visionner, c'est parce quoi. Ah, c'est toutes les voitures qu'on peut débloquer. Ah, oui, quand même. On peut débloquer une unité de télé, Ford Mustang, Plymouth Prowler, Toyota CK GT4, une Dodge Viper, Lotus 340R, Mitsubishi GTO carrément, AC Super Blower, un Prezza WRX, une Mazda RX-7, une ACSA, je connaissais pas, TVR Cervera Speed 12 et une Bentley, une Audière. Je sais pas quoi ça sert de faire visionner, si je fais visionner il se passe quoi, je sais pas, terminer aussi. Bon, on va voir les offres. Donc on a deux offres, donc niveau national pour les deux. Donc l'un, c'est la même voiture, j'ai l'impression que c'est juste qu'une c'est le team Mitsubishi et l'autre c'est le team Venom. Venom. Et on doit accomplir un tour à Sali dans 1.46 et là un tour à Suzuka en 2.30. Maintenant je vais juste faire par rapport à ma préférence de la livrée, donc je vais prendre celle-là. On va faire oui. Et on va démarrer du coup le test. Bon bah écoutez, j'espère que ça se passera bien dans cette série, qu'il n'y aura pas de bugs, etc. J'ai enfin réussi à avoir le jeu dans le bon format, dans le sens où avant il était toujours un peu trop... en fait il était coupé sur le bas, ce qui fait que par exemple au niveau du chargement, on voyait même pas la barre rouge. C'était un peu embêtant par rapport au format du jeu, puisqu'on voyait pas forcément tous les éléments. Donc, météo, on va partir à Suzuka, ce qui est déjà assez nouveau hein, pour un Toka de faire Suzuka, parce que dans Toka 2 il n'y avait pas Suzuka, parce qu'on était encore en mode que les circuits anglais. Et donc c'est parti. Alors quelques évidemment comme dans Formula 1, quelques émotions graphiques pour que ce soit plus agréable à suivre. Bien sûr le jeu n'est pas aussi beau, enfin en tout cas aussi précis que ça, quand on joue sur la vraie console. Pas déconner non plus. C'est un jeu d'ailleurs qui est très joli. Même pour... En tout cas pour la Play 1, il était très très bien réalisé. Je me demande si c'est pas un des jeux les plus propres qui soit en termes de graphisme, en termes de jeu simulation auto. Pourquoi j'appelle joueur 1? Ah oui, parce que j'ai pas encore mon... j'ai pas encore ma place dans l'équipe. Alors j'ai plusieurs vues. Bon évidemment, je vous dirai d'aller bien voir le test du jeu que j'ai fait il y a longtemps. Mais voilà, donc on a plusieurs vues. Une vue super immersive d'ailleurs ici. Avec le son qui change. La vue capot. Là, on a la vue intérieure qui est très très bien réalisée. On va avoir les dégâts sur l'auto. D'ailleurs, le jeu au niveau de la publicité se basait beaucoup sur les dégâts, concrètement. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'intro, enfin intro de pub, où on voyait les bagnoles se déchirer. Enfin, c'est l'impression que c'est des zones de destruction de derby d'ailleurs. Ils avaient bien compris à l'époque que les gens jouaient à Toka, bon. Un peu pour le plaisir de gagner et de jouer, et d'autres c'était surtout pour le plaisir de tout casser.
Donc voilà, même s'il y avait quand même Destruction, Demolition Racer à la place, ou Destruction Derby, pour faire vraiment ça. Alors, donc, cette vue elle est pas mal aussi, mais j'aime bien la vue. La vue du dessus elle est pas mal, franchement elle est plutôt cool. En tout cas, le circuit de Suzuka est correctement réalisé pour de la Play 1. On va pas dire que c'est super réalisé, mais bon, on va dire que ça reste cohérent. On va arriver à l'épingle. Alors, j'ai l'impression qu'on a les timings de 50 Hz. Je me demande si je vais pas passer à 60 parce que franchement, c'est vraiment très très long. Mais bon, après, on est sur des voitures de tourisme, hein, donc c'est normal qu'on aille moins vite que des Formule 1. Et je ne sais même pas quel temps j'ai fait au tour. C'est un peu ballot. Cette austérité sur 20. Allez, le chargement. Temps visé de 2,40, on a fait 2,14. Donc on a réussi le test de pilotage. Alors vous vous étonnez pas si c'est un peu dégueulasse au niveau de l'écriture, c'est l'amélioration graphique dans la 3D. Qui fait que quand on ressort de la 2D, bah, par contre c'est pas très beau. Donc voilà, je peux pas vous dire mieux. Donc, eh ben c'est parti. On va accepter l'offre. Yay! Et on va lancer le championnat japonais. Même la barre de chargement en bas, elle est bizarre. Alors si vraiment il y a trop de bugs au niveau de l'affichage, je ferai quelques réglages, ne vous inquiétez pas. C'est pas non plus la mort. Bon, en tout cas, c'est un jeu que je n'ai jamais fait sur le plan de la carrière, je n'ai jamais fait. D'ailleurs, on a un joli bug graphique. J'ai fait une petite pause de mon côté, j'essaie de régler ça. Bon, bah, écoutez, j'ai pas réussi à régler cette histoire. Je peux juste vous dire que là, on peut voir en gros les concurrents contre nous. Donc on est combien là? On est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ouais, on est 14 à peu près. 14, ok. Bah écoutez, on va démarrer. Je peux faire un tour d'essai, je vais faire directement la course. Bienvenue à Suzuka pour la première course du championnat japonais. Les pilotes sont sur la grille de départ, on n'attend plus que le signal. Et je vais faire un autre dernier réglage. Alors, on se retrouve pour le départ. Oh, le départ très très mauvais, je me fais doubler par tout le monde. Carrément poussé. Allez, c'est parti. Par contre, j'ai des bugs assez étranges, je vois même pas... même pas ma position, quoi. C'est quoi ce détir? On sait pas, on va faire avancer. Alors je ne peux pas aller l'IA, hein, donc le jeu est en mode je sais pas. Je sais pas quelle est la difficulté du jeu, je pense que ça va s'augmenter au fur et à mesure. Tout va très bien, Suzuka est sur la grille de départ. J'ai pas de vue arrière par contre, je pensais que j'en aurais une, mais pas du tout. Oula, j'ai mis le frein à main. Faire un mode, on va essayer de voir si ça marche mieux comme ça. Bon, écoutez, pour moi, on va se contenter de ça. Hein. Désolé. On va faire avec. Je suis totalement loupé au freinage. En tout cas, ça a peut-être roulé avec une galant, on va dire VR4, parce que à l'époque je pensais qu'il y avait que limite que Gran Turismo pour offrir ça, et en fait non, on peut dans ce jeu.
rouler avec une VR4. D'ailleurs, il y a déjà eu une galant en BTCC. Là, elle n'est pas en BTCC, mais il y a déjà eu des galants en BTCC. En 91, je crois, 92, si je dis pas de bêtises. Mais qui ont pas eu de... Je crois qu'ils sont même pas... Je crois qu'ils ont peut-être marqué un point. Je sais, je crois qu'ils ont pas fait beaucoup de bons résultats. Ils ont vite laissé tomber. Mais ça aurait été marrant d'avoir des galants VR4, par exemple, en BTCC à l'époque. Je pense que ça aurait pu faire vraiment l'affaire. Franchement, le championnat de rêve, ça serait de mixer le championnat, par exemple, allemand, le championnat anglais, le championnat avec des tours japonaises. On aurait pu avoir... allez, on va rajouter 4 constructeurs. On aurait pu rajouter... Imaginez si on avait rajouté, par exemple, bah justement, la VR4 avec Mitsubishi. Toyota était déjà présent, hein. Donc chez Honda, il y a déjà aussi. On aurait pu rajouter, par exemple, pourquoi pas Mercedes. On aurait pu rajouter qui d'autre en même temps. Je prends en même temps que la saison 96-97, on va dire. On aurait pu peut-être rajouter 2-3 constructeurs en plus. Ça aurait été vraiment excellent. Bon, par contre, j'aurais mal vu une Citroën. Si une Citroën Xara, à la limite, ça aurait pu le faire. Olé. Bon, pour l'instant, c'est assez facile, hein. J'ai pas beaucoup de... Tout va bien, quoi. Par contre, c'est assez bizarre, ce problème d'affichage des sprites. J'avais pas eu ce problème en essai, là, je l'ai en course. C'est quand même étonnant. On va changer de vue d'ailleurs pour le plaisir. On peut régler la voiture, ce que je n'ai pas fait. En tout cas, pour le moment, la difficulté n'y est pas. On va se contenter de ça pour le moment, on verra si ça s'améliore après. Alors évidemment j'aurais bien voulu mettre au max, hein, comme pour d'autres jeux, mais je peux pas le faire. Aïe. Ça part dans le gravier. Par contre, ce qui est assez bizarre, c'est la roue qui est complètement déchappée. C'est vraiment bizarre ça d'ailleurs. On a la roue qui est décalée sur le côté. Je sais pas si c'est normal. Ah, j'ai pas l'impression quand même. Et sur les tentatives, vous voyez que le nuage bouge aussi en temps réel. Et alors, là, je bouge pas la caméra. Par contre, le nuage, lui, continue de bouger. Et on a même les gens dans les pits, regardez à droite. Ouais, bien joué, quelle course! Ouais, bien joué, quelle course! Cache ta joie! On peut voir le replay. La course. Est-ce que dans le replay, mes pneus sont mal positionnés ou pas? Ouais, ça a du mal à charger tout en même temps. Après, c'est difficile de charger autant de détails. J'avais tapé. Ah ouais, non, ça c'est encore le bug du replay. Alors, on a gagné. Jetons un œil au classement final. Remporte enfin la première victoire de sa carrière. Le nouveau pilote de Mitsubishi.
prend la deuxième place et gagne 6 points. Adrian Starr. En troisième position, Go Miura. Ah, je pensais qu'il allait tous les faire. Nous n'apprendrons pas grand-chose au niveau du classement général à ce stade du championnat. Oui, tout à fait. Ah, cette voix, elle est assez particulière quand même. Pff. Alors après, on a le circuit de Tihaida, pareil. Nouveauté dans le tocar, qu'on n'a jamais fait avant. Qu'on a par contre fait dans le tocar Race Driver. Ah là, par contre, je vois les trucs s'afficher. Bon, peut-être une bonne nouvelle. Alors, bon, on va le suivre comme ça, de toute façon, je vais faire la suite, de toute façon, les réglages marchent la bien. La série continue et nous voici au départ d'une nouvelle course. Et fait chauffer les gommes. Sans plus attendre, les pilotes sur la grille de départ. D'ailleurs, je vais juste faire un petit dernier réglage, peut-être que ça vient de là, on va voir. Texture correction, voilà. Oh, le mauvais départ. Oh non, je me fais pousser un peu. Ouais, je vais garder un peu cette vue pour le moment, sans se faire un peu plaisir. On a même un hélicoptère au-dessus. Je sais pas ce que c'est la voiture en vert devant. Donc je ne peux pas derrière moi. Il me semblait que je pouvais regarder sur les côtés. Si, là, je peux regarder. Là, j'ai une vue arrière. On dirait une Saab. C'est assez bizarre, hein, derrière la voiture verte. Allez, on freine un peu nos 100 mètres. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, pour voir si le jeu marche bien, il faut changer les sprites avant. Pour être sûr. Alors bien sûr, vous voyez, il y a le WTC en dernier championnat. Mais j'ai hâte de voir s'il y a vraiment un championnat avec des licences, par exemple, au championnat anglais. J'aimerais savoir s'il y a des vraies voitures. Alors apparemment, il faut rentrer au stand. Obligatoirement, au moins une fois. Et je pense qu'il va nous le dire. Ouais, rentre au stand. On va faire un tour, on rentrera après. Et il y va à l'intérieur. Les autres pilotes commencent à rentrer au stand. Alors, en tout cas, World Touring Car, c'est pas le Touring Car le plus vendu, loin de là. Et c'est vraiment dû à une chose assez toute bête. C'est que c'est un jeu de fin de gen, en fait. Donc c'est un jeu qui n'a pas... Eh, c'est qu'il y a plus que moi, lui. C'est un jeu qui, du coup, a moins marqué que, par exemple, Touring Car 2. Et il faut savoir que Touring Car 2, à l'époque, et le BTC, qui était encore en pleine... Enfin, c'était le championnat quasiment le plus vu de tourisme à l'époque. Avant que tout se casse la gueule. Oh, il est parti à la faute, mais c'est incroyable. Oh, il est parti complètement tête à queue au freinage. Oh ouais, ça c'est génial. Oh yes, ça c'est bon ça. Et du coup, oui, donc c'est voilà, c'est un jeu qui est connu, certes, mais c'est un petit peu le petit poussé, on va dire, par rapport à la série, parce que mais pendant qu'il y a Touring Car World Touring Car, ben on a aussi la version Touring Car Race Driver qui est en train d'être développée. PC, PS2, etc. Xbox. Et pour le coup, voilà, on attend quelque chose de nouveau. Alors le jeu, franchement, évidemment, ce jeu est quand même assez bien réalisé, toujours. Hein. Les graphismes, c'est encore mieux que le 2. Beaucoup d'améliorations. On est vraiment à la limite de la console. Donc il n'y a rien à dire en soi. Hein. C'est vraiment un très bon jeu. Mais c'est pas le jeu qui aura marqué le plus les gens. En général, c'est le Touring Car Race Driver, limite le 2, je crois. Et Touring Car 2. Et viennent après les autres. Mais ça reste quand même un très bon jeu. Hein. En tout cas, pour le moment, ouais.
merci de m'avoir donné la première place. Ouf. Ah, il y a quand même les vibreurs qui me bougent là. Qui me font passer à l'opposé la voiture. On verra si les sons sont différents d'ailleurs entre les voitures. Ah, je suis content, vous allez vous en rendre compte, j'ai ma vue arrière, du coup je suis très content. Bon, je joue dans cette caméra parce que pour le moment la difficulté est pas exceptionnelle. Mais bien sûr, quand ça commencera à devenir plus dur, potentiellement je le changerai de vue, à moins de prendre vraiment l'habitude, mais on verra. Les gros à-coups évidemment, parce que je suis toujours à la croix. Et puis si vous connaissez ma chaîne depuis longtemps, vous le savez. Toujours privilégier la croix aux autres. Oh bah bon, on va rentrer au stand, attention. On est prêt, gardez le rythme. On va garder les pneus lisses. Non, non, non. Voilà, les lisses, on va prendre des pneus lisses. Tu pleux pas, ça sert à rien. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la pluie, ce que ça va donner. En attente d'atteindre les stands. Ça, c'est du message. Ouais, dans le dernier puits, j'imagine, ouais. Alors, est-ce que l'IA... Comment ça va se passer? Ça va vite, hein. Et on est sorti devant. Parfait. Du coup, il va nous rester 3 tours à faire. Bon, pas dans la rage graphique, si ça marche bien comme ça, il me restera à redésactiver le dithering. Dithering, c'était c'est ce petit truc, vous voyez un petit peu, qui donne l'impression qu'il y a des pixels noirs en plein milieu, là, 1 sur 2. C'est ce que utilisait la PlayStation à l'époque, c'était une très très bonne technique. Hein. Ça marche beaucoup mieux, par contre, sur les écrans cathodiques que sur l'écran CRT, où ça n'a aucun intérêt. C'est que ça, en fait, ça permettait d'avoir moins de séparation entre les textures et entre les tons de couleurs. Et ça donnait l'impression que c'était un peu plus propre. En fait, c'était beaucoup plus smooth. Je crois qu'il y a marqué Osu non, en japonais sur le sponsor qu'on a vu avant là. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. J'ai un petit peu le sponsor sur les côtés, on a quand même Coca-Cola. Ouais, le jeu, il y a du sponsoring hein, quand même. Hein. On sent que le jeu. À sa production, il y avait les investisseurs qui étaient là derrière. Et ce qui est fort dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de version PC de ce jeu, si j'ai pas de bêtises. Je vérifierai, parce que s'il y a une version PC, honnêtement, il faut absolument qu'on la teste. Et c'est... Je crois qu'il n'y en a pas. Et c'est dommage, parce que ce jeu en version PC doit être génial, en fait. Ah, en fait, faut rester appuyé longtemps pour que ça s'affiche. En fait, j'ai tapoté, il se passait quasiment rien. C'est la touche R1. Ok. Bon, j'ai un peu cassé la voiture. Par contre, j'appelle toujours 1. Je pensais que j'avais changé mon nom. J'ai oublié peut-être de valider mon nom, mais c'est pas grave. Thank you.
En tout cas, c'est très calme quand il n'y a pas de musique, ce jeu. C'est un jeu qui est assez austère quand même. Hein. Pas forcément dans les menus, mais au niveau de la musique, il n'y en a pas. Et évidemment, quand on roule là, quand on entend public sur le côté. Oh, je prends un tour à quelqu'un. Vous allez prendre un tour à un pilote. Continuez comme ça, mais ne quittez pas la piste. Ah, c'est pas une Saab, mais je sais plus ce que c'est. On dirait une... peut-être une Toyota. Bon, bah, on va gagner la course. C'est déjà une bonne nouvelle. Quelle course ! Félicitations ! Merci, merci. Et sinon ? Allez, on va enlever là. Voilà, donc voilà, anti-nom. Voici la grille du classement général. Le nouveau pilote de Mitsubishi est en tête du classement après seulement deux courses. S'en tire très bien avec une deuxième place. Adrian Starr. Go Miura est troisième. Bon. Ça, la suite. Je sais pas combien de courses il y a à faire dans ce championnat, dans cette petite cup. On verra de toute façon. Là, c'est Suzuka maintenant. C'est re-Suzuka, j'ai envie de dire. Ok, météo soleil, RE obligatoire. Ah, il y a 6 manches, ok. Bon, bah, c'est parti pour la course directement. Il faut terminer son podium au moins 3 fois. Bon, plus qu'un déjà, il y en aura réussi. La troisième course de la série se déroule à Suzuka. Ah, Suzuka. Oh, le bon départ. Le bon départ, là, les Benko Exhaust des Toyota Camry, c'est Toyota Camry. Il y a Takuma Sato sur le côté droite. Ouh là là là, je suis parti en tête à queue. Alors c'est pas grave. 3 tours à faire, on va pouvoir le remonter normalement. Ouais, elle tient bien le pavé quand même. Il reste le point. Il semblait que dans le jeu on pouvait faire des... On pouvait regarder sur les côtés. Mais on peut pas. C'est bizarre. Je peux regarder derrière moi mais je peux pas regarder sur les côtés. J'y vais aux chausse-pieds. Allez, on a Moshita devant nous.
C'est marrant parce que par exemple, les textures du tableau de bord à gauche sont plutôt bien faites, par contre celles du volant au milieu, elles sont ignobles. Je crois que j'ai vu une Lancer Evolution 4, si j'ai pas de bêtises, et que t'es juste devant. Bon, c'est pas grave, on va essayer de... remonter. Plus de tours. Merci Jean-Pierre. Je sais pas encore comment il s'appelle, alors du coup je dis Jean-Pierre. Par contre je tourne vraiment le volant quoi. Ça par contre c'est pas du tout réaliste quoi. On dirait un mec qui fait du volant, qui prend le volant pour faire du drift. Je pensais que j'ai pas continué Sega GT d'ailleurs en live. Faudrait peut-être que je le fasse. Même si je vous avoue, j'étais un peu dégoûté parce que le jeu franchement est pas terrible. Pas terrible et assez dur, mais bon. Que ce soit dur encore, c'est une chose, mais des fois c'est un peu stupide. Puis ces tracés sont assez bizarres. Par contre, elle fait vraiment carré l'Evo 4 là. C'est les phares hein, qui me font dire que c'est une Evo 4. Par contre, j'ai l'impression que quand on n'est pas. Quand c'est des IA devant. Les textures sont dégueulasses, par contre quand c'est nous, la texture de la voiture elle est nickel. Il y a encore fait la même erreur. Ah, les IA se défendent bien. C'est bien ça, c'est bien une Evo. Ou une Charisma GP, GT, mais en tout cas c'est une... Ouais, j'ai Evo 4, ça pourrait être une Evo 5 ou Evo 6. Hein. Vu la date de sortie du jeu qui est de 2000. On est sur le podium, on va essayer de remonter, ça va être compliqué, hein. Il va falloir pas faire d'erreur. Bon, moi je vais réussir l'objectif des podiums. Par contre, je suis pas sûr que je vais réussir à rattraper le deuxième. On est bien remonté. Ah oh bah oui, on est remonté large. Je peux le piquer au freinage.
Du coup, je passe dans le gravier. Oh là, on va essayer de passer. En tout cas, l'IA qui cherche. Hein. Qui cherche à dépasser, ça c'est bien. Bon, on finit deuxième. C'est déjà bien. On a réussi l'objectif déjà du team. Replongeons-nous dans l'action. Non, on va pas se replonger dans l'action, on va surtout partir. Regardons le classement des pilotes. Remporte sa première victoire de la série, Gomiura. En deuxième position, après ce petit accident, le nouveau pilote de Mitsubishi. Remonte sur le podium, il est troisième, Adrian Starr. Et du coup, je regarde un peu les équipes qui est contre nous. Toyota Camry, donc Honda Accord, Mitsubishi Lancer. Ouais, c'est des Lancer, ouais, c'est ça. Voyons c'est comment les résultats du jour vont jouer sur le classement. Plus que 3 courses et la première place est pour le nouveau pilote de Mitsubishi. Bon, je vais avancer un petit peu parce qu'il y a quand même 3 courses à faire encore. Trop court, ça fait encore, on est déjà à 26 minutes. C'est-à-dire que le championnat il va durer longtemps. Ouais, et j'ai le problème. J'ai le problème en question, donc bon, on va faire une petite pause. Allez, c'est parti. Pas d'arrêt obligatoire. C'est sûr que Sugo, je connais pas, et c'est de nuit. Nous sommes à la moitié du championnat. La nouvelle course se déroule à Sugo. Ah, trop, j'ai patiné. Bon sang, je partais déjà dernier, donc ça n'a pas changé grand-chose. Oh, regardez, on a le... Sur le panneau là, on a carrément la course en direct. Alors je ne connais pas ce circuit. Donc, on va faire gaffe. Heureusement que j'ai dit que j'allais faire gaffe. En fait, ça me parle, mais vaguement. J'ai déjà roulé sur ce circuit, mais je m'en souviens absolument pas. Heureusement qu'on a la carte pour nous aider. Oh, le moteur qui est parti à la faute derrière. Pas mal en tout cas la vision de nuit, plutôt bien réalisée je trouve pour le play 1. Bon, moi je freinais avant, hein, pas mal. Thank you.
Je remarque quelques trucs assez dynamiques au niveau de la réflexion sur les voitures. C'est vrai? Ah, on n'est pas promis. Oh, je pensais qu'on était promis, moi. Ok, bon, bah tant mieux. Bon, il a l'air. Comment dire, très très rapide là. De toute façon, j'ai pas eu tout rattrapé. Et oui, je suis le point rouge et le point blanc, donc effectivement. Je suis loin de le rattraper pour le moment. Je le vois même pas. On va arriver sur la ligne d'arrivée. Bon, on n'aura pas gagné. Je sais même pas combien on a fini. Deuxième, peut-être troisième. Ou quatrième. Bon, normalement, ça devrait revenir au niveau de l'affichage, si j'ai pas fait de bêtises. Voici le classement du jour. Ah, on est quatrième. Gomiwa. Oh, on est quatrième. Adrian Star. Ah oui, on s'est pris un vent. La dernière marche du podium. Toshi. On s'est pris un vent, mais super violent. Et regardez, on est toujours premier. En tête du classement. Il n'y a que deux points Mitsubishi. Juste derrière, en deuxième position, Gomiwa. À la troisième place, Adrian Star. Ouh, c'est que ça commence à être compliqué, là, cette histoire. On est en train de se refaire reprendre au fur et à mesure. Et on a le circuit d'Aïda encore. Ok. Donc là, ça commence à être un peu compliqué. Il va falloir se sortir les doigts du. Voilà. Il va falloir gagner. Parce que si on termine deuxième ou troisième à nouveau. Bon, c'est bon. En tout cas, ça s'est résolu. C'est une bonne nouvelle. Donc. Pas d'arrêt obligatoire par contre. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de qualification. La série hein. est presque terminée. L'avant-dernière course nous amène à... Teihaida. Teihaida. Ok, à mon départ, ça va forcément m'aider. Ah, j'ai dû décaler d'un seul coup là. Ouf. Parfait. Il ne vous reste plus qu'à rattraper le leader maintenant. Le problème, c'est que j'arrive pas à lire le nombre des joueurs. Apparemment, c'était pas lui qui était en tête du championnat, mais... Ah bah si, Laura, c'est lui, non? Alors je me demande si les difficultés augmentent pas au fur et à mesure des courses, par contre, parce que j'ai l'impression quand même qu'ils sont de plus en plus rapides. Trois tours à faire. Et bien, Miura, c'est lui. C'est bien, vous êtes en tête. Vous n'avez plus qu'à terminer. Avec sa Nissan Primera. GT, j'imagine. Aussi cassé. Pour l'instant, vous avez 10 points, c'est le maximum. Bien sûr, vraiment donner 50 de plus.
Moi, ça serait fini, hein, on économise la prochaine course. Genre, rentre chez eux. Bon, c'est sûr que si j'avais gagné là, ça va me permettre de souffler un peu pour la prochaine dernière course. Et à mon avis, il va encore être à Suzuka, parce que j'ai l'impression qu'on alterne le troisième circuit à chaque fois. En tout cas, il est toujours là, hein, c'est-à-dire que j'ai pas un rythme non plus énorme. Aïe aïe aïe, petite erreur. Bon, ça va aller derrière. C'est vraiment dans l'épingle que je perds du temps. Il paraît que ça va beaucoup plus fort que moi. Ouais, freiner beaucoup moins. Accélérer plus fort et ça passe. Alors ensuite, normalement, on va faire le championnat européen et en dernier, le championnat américain. On va pas le faire évidemment dans la même vidéo, ça sera en moult parties, mais on doit faire ça. Quelle course ! Félicitations ! Congratulations ! Voyons comment la course a fini. Jetons un œil au tableau du classement général. Le premier points d'écart, c'est général bon. Est le nouveau pilote de Mitsubishi. 10 points d'écart, ça devrait être bon. Parce que là, il faudrait vraiment qu'on marque 0 points et que lui gagne pour que ça ait un impact. Et paradoxalement, je pensais qu'il allait finir juste derrière. Nuage apparemment, pas d'arrêt obligatoire. Est-ce qu'il va pleuvoir? Bienvenue à la finale de ce championnat qui se déroule à Sugo. J'ai glissé, chef. En tout cas, il fait pas super beau. Oh, wow, qu'est-ce qu'il fait derrière? On dirait que vous avez été poussé par Katsuo Nakajima. Oh, les deux! Les deux sont partis à la fête. J'ai entendu Kazuki Nakajima, c'est une blague. Oh, j'ai quelque chose qui tombe. Oh, c'est carrément le... Ok.
Ah ouais, j'ai carrément l'arrière qui a été touché. Je me disais, il y avait un truc qui raclait par terre. Mécanique, ça va, on a rien. Par contre, c'est plutôt des dégâts visuels. C'est super bien fait, là. Les étincelles, là. C'est pour de la play 1, c'est quand même plutôt réussi. Ah, mais je l'ai perdu. Voilà, il s'est arraché. Du coup, la voiture sera plus légère, ça, c'est la bonne nouvelle. Respiration à le marché aussi. Alors, on monte en 5ème place. A savoir que le nombre de points que je marque ici, évidemment, a un intérêt normalement pour pouvoir débloquer après les championnats. Les championnats nationaux. Les championnats. Je suis totalement raté. Totalement loupé. Quelque chose me dit qu'il va peut-être pleuvoir, non? Nuageux, ça sent le jeu qui a envie de te faire un petit script de fin assez sympa avec de la pluie. L'inspiration a l'air de marcher aussi. Ah non, peut-être pas. Regardez, j'accélère. Je suis beaucoup plus rapide que lui. Ah bah c'est mon bout de capot, il est resté sur le circuit. Le capot de protection arrière, on va dire. Allez, dans la ligne droite, l'aspiration. Il s'est décalé au cas où. Et c'est trop tard, mec. Trop tard. Bah là, ça va le faire, hein. Si on reste à cette position là, on va marquer des points, c'est suffisant. Dans tous les cas, ça passe. Bon, pour un premier championnat, ça aurait été plutôt correct. Enfin. En termes d'IA, finalement, c'est plutôt bien. Par contre, on ne rattrapera pas les autres, hein, ils sont beaucoup trop rapides. Ah, la moindre erreur, c'est la mort, hein, dans ce jeu. Pas l'erreur, c'est même pas moi d'ailleurs, c'est l'IA qui m'a mis dehors. Mais. On va taper ça, ce qui se passe. Ah là, je peux le pousser. Bon ben voilà. Écoutez, on va finir quatrième, pas sur le podium par contre. J'ai mis la petite trace de pot d'échappement derrière. Allez. Hop, pour ralenti, non. Voyons comment les résultats du jour vont jouer sur le classement. Avec 3 victoires, le vainqueur du championnat est le nouveau pilote de Mitsubishi. Une superbe prestation. Ses exploits seront payants et on se demande déjà où il courra la saison prochaine. Malgré d'excellentes performances tout au long de la série, on se contentera d'une deuxième place pour Go Miura. Après de très belles performances durant toute la série, la troisième place est pour, sur Nissan Primera, Adrian Star. Plutôt pas mal les commentaires, hein. Dommage qu'il n'y en ait pas en course. C'est un peu dommage. On a le spotter, mais on aurait pu avoir les commentaires.
Copyright. La musique. On avait du STW. Félicitations, vous avez remporté le championnat japonais. Ben voilà. Ça commence bien. Que de faire pour avoir atteint les critères de l'équipe T2? Ok. Je sais pas ce que c'est. Et j'ai débloqué une Audi TT, une Ford Mustang, c'est sympa ça. Alors, voilà où on en est. Du coup, national américain, CSC américain, britannique, allemand, méditerranéen. Je sais pas ce qu'on fera après, sinon vous le verrez dans la prochaine partie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochaine fois pour la suite de ce Autocar World Touring Car sur PlayStation. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.